Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur Excel. C'est une question d'un abonné. La question est la suivante. Comment changer la forme d'un commentaire? On va donc directement ici insérer un commentaire. Ici, commentaire 01. Voilà. Je vais donc faire ici afficher le commentaire. Voilà, donc il est affiché. Donc pour changer la forme, j'ai ici un code. Ici donc voilà, je vais le recopier, je vais retourner ici. Ici donc je vais créer donc une macro, voilà une macro, et je vais donc arrêter toujours juste pour créer la macro. Voilà donc la macro, je vais faire modifier, je vais supprimer ceci. Voilà donc la macro ici, c'est for HC in Active Sheet Commands, C Shape Autotype est égal la forme ici. Cette forme, on peut la changer selon notre choix. Voilà donc, je veux ici insérer ici un petit bouton. Voilà, par exemple, ceci. Et je vais lui affecter la macro du changement commande. Ok. Lorsque je fais comme ça, voilà donc la macro, elle est changée. Voilà donc je vais insérer encore, voilà donc c'est changé. Si je change ici la forme, je peux créer ici par exemple une autre macro 3 par exemple ici. La macro donc c'est insérer une forme ici juste pour savoir le nom. Je veux savoir par exemple le nom de cette forme. Je vais donc faire comme ça. Donc le nom est écrit. Donc je vais arrêter la macro. C'est arrêté. Donc j'ai juste macro 3 pour trouver le nom de la forme. Donc voilà ici. Ici. Voilà ici. Donc le nom, je vais le recopier ici. Supprimer et recopier. Je veux effacer cette macro. Voilà donc. Lorsque je clique, voilà donc la forme. Elle a été changée. Si je veux par exemple une autre forme, je fais créer une macro 4 et je vais donc insérer pour savoir le nom. Insérer une forme. Voilà, par exemple, on peut choisir une forme quelconque. Par exemple, celle-ci. Voilà, donc je vais arrêter la macro. Et la macro, donc numéro 4, modifier. C'est celle-ci. Ok. Et je peux même, attendez, je veux la mettre ici. Et je veux supprimer ceci. Et refaire cette macro. Bon. Ici, numéro 2. Et je vais recopier cette forme ici. Voilà. Donc ici, j'ai deux formes. Ici, donc. Cette deuxième forme affectée pour le deuxième commentaire. Si je vais par exemple ici afficher le commentaire, afficher ici, voilà donc je vais supprimer celle-ci. Donc je vais ici changer la forme. Ça c'est comme ça. Ici, voilà, on peut changer donc la forme selon votre choix. Ok, à la prochaine.